Bonjour, bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien et je m'excuse par avance pour la résonance de cette pièce. Des albums, des clips, quelques courts-métrages, des reviews, des best-of de stream et autres vidéos absurdes. Qu'est-ce qu'il manque encore sur cette chaîne? Eh bien, plein de choses. Mais qu'est-ce qu'il manque sur cette chaîne et qui me rend particulièrement joyeuse aujourd'hui? Les jeux de société. Les amis, depuis ce début d'année 2022, je suis devenu obsédé par les jeux de société. Et cette obsession, en fait, elle est venue via un autre jeu que celui-là, mais publié et designé par les mêmes personnes, qui est Moonrakers. Je prendrai le temps, je pense, un jour de vous parler de Moonrakers, mais pour l'instant, je dirais juste que, déjà, regardez cet art. Voilà, moi je suis une femme facile, on me montre un truc joli, hop, ça marche. Voilà, c'est bon. Non seulement c'est un très bon jeu, mais en plus je vous en parlerai, je pense, parce que il y a des nouvelles expansions qui vont sortir dans pas très longtemps et j'ai eu l'occasion de les essayer, c'est très très bien. Et vous voyez, ça me rend folle les jeux de société, ça me rend folle. Mais bref, aujourd'hui on n'est pas là pour parler de Moonrakers, mais bel et bien là pour parler de Veilfae. Donc publié par les mêmes gens, j'ai même pas dit leur nom. Avec ce petit logo, est-ce qu'il n'est pas un peu plus gros quelque part? Bon, si, il est là. Hop. Ivy Games, donc des gens très sympathiques, je suis sur leur Discord. Et voilà, j'ai jamais fait de vidéo d'unboxing, mais comme j'ai envie de vous parler de jeux de société, on va faire ça. Et puis, de toute façon, j'ai failli vous dire, dites-moi dans les commentaires si ça vous fait envie que je vous parle de jeux de société, mais en fait, déjà j'ai 200 abonnés, et ensuite, même si ça ne vous intéresse pas, je vais le faire. J'ai toujours fait ce que j'avais envie de faire sur cette chaîne, du coup, bon. Alors, pendant que je vais essayer d'ouvrir cette boîte sans l'abîmer, je vais essayer quand même un petit peu de vous parler donc, du jeu. Donc, Veilfae. Alors, c'est un jeu qui est décrit par, du coup, leur designer, comme un jeu de déduction stratégique. Dans ce jeu, il y a 9 personnages jouables, et chaque joueur devra en faire gagner un en particulier, et les autres joueurs ne savent pas quel personnage ont les autres, etc. Donc, il faut évidemment jouer du bluff, etc. Bon, ça c'est vraiment, quand je résume à la base, et je le résume très mal. En réalité, il y a une très jolie histoire autour, qui est que nous sommes des êtres célestes, et que nous influençons la destinée de 9 demi-dieux pour faire accéder notre préféré au trône. C'est quand même plus joli, j'aurais peut-être dû commencer par cette présentation-là parce que c'était quand même plus sympa. Donc déjà, moi je le redis, mais voilà, regardez comme c'est joli. Un petit truc de reflet, je sais pas si ça se voit, mais c'est voilà. A game of hidden influence. Le dos quand même, je vous montre. Voilà, avec tous les trucs. Alors c'est en anglais, mais autant pour Moonrakers, c'est assez compliqué, mais autant pour celui-là, s'il y a au moins une personne dans votre entourage qui parle anglais, ce sera pas très compliqué. Il n'y a pas tant de texte à comprendre que ça. J'attends ça depuis 10h ce matin, mais il a fallu que je prépare plein de trucs avant de pouvoir ouvrir. Là, j'étais folle. Il est trop mignon le rulebook. Il est tout petit, le livret des règles. J'adore. Alors ce qu'on va faire tout de suite justement, c'est qu'on va ouvrir le livret des règles, puisque au tout début de ce livret, il y a le nombre de composants du jeu. Et que donc comme ça, on va pouvoir vérifier que nous manque rien. On va commencer par... Voilà, donc ça c'est les 9 héros. Alors ils ont aussi leurs figurines que je vais vous montrer juste après, mais ils sont aussi fournis avec ce qui s'appelle en anglais des standees, qui sont des versions un peu plus compactes, si vous voulez. Donc ça, ce sont les 9 demi-dieux, mais je vais plutôt vous montrer les figurines, parce que c'est quand même ça le truc le plus intéressant. Regardez-moi, comment c'est tout bien rangé, j'adore, je suis tout fan. Voilà, regardez bien cette petite belle chose. Alors, ils sont chacun accompagnés d'un espèce de petit... comment ils appellent ça déjà? C'est un tracker, en fait. Oui, en fait, c'est juste ce qu'on utilise pour traquer les points, pour genre compter les points de chacun. On va ouvrir ça, hein, parce que j'en peux plus, en fait. J'en peux plus, j'ai besoin de les voir. Hop,
Ils ont chacun leur petit nom, hein, évidemment. Comme je vous l'ai expliqué, il y a un lore assez, assez précis. Donc on a Penta. Alors j'avoue, je sais pas à quoi correspondent les sigles, mais Penta Agamar. Lui et Clar sont du même sigle, mais je sais plus si c'est une histoire de clan ou si c'est autre chose. Hop, et Clar sont du même signe. Ensuite, on a Apony, très joli. Apony, Sagari, voilà. Sagari et Namari, qui sont également du même clan, ces trois-là, voilà. Et les trois derniers, Naka, Naka, Belan, difficile à dire, comme c'est plutôt anglais, je dirais plutôt Belan, mais Belan. Et pour finir, Isabelle, qui a le nom le plus... basique de tous, salut Isabelle, j'espère que tu vas bien. Hop. Donc déjà, 910, hein. Ça on l'a pas encore vu, les 9 miniatures, elles ont toutes l'air d'être en bonne et due forme. Ah oui, d'accord, oui. Donc c'est des cartes qui font un rappel d'une des actions qu'on peut effectuer, qui sont les God Power. Je vous en, voilà, si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir. Mais surtout, de l'autre côté, il y a tous les demi-dieux. Donc là, on arrive au moment des cartes. On a donc les cartes qui vont nous permettre d'influencer le destin, parce que j'en parlais tout à l'heure. En gros, on va envoyer les différents héros faire des quêtes, tout en essayant de cacher nos intentions, en essayant de cacher le héros que l'on représente, puisque on peut jouer, on peut, pendant notre tour, on peut déplacer et influencer n'importe lequel de ces héros, mais il n'y en a qu'un seul qui nous intéresse réellement. Il faut... voilà. Et comment on va influencer ça? Eh bien c'est très simple, c'est via ces très jolies cartes. C'est avec des cartes de plumes et de scorpions. Donc en fait, à chaque événement, beaucoup sur les quêtes, dont je vais parler un petit peu après, mais aussi à d'autres moments, on va avoir l'occasion de poser des cartes justement pour influencer le résultat. Résultat donc qui, on peut déjà le voir là, même sans que j'ai besoin d'ouvrir, résultat qui peut être soit plume, soit scorpion. Et donc dépendant du résultat, bah, ça donne différents résultats, littéralement. Est-ce qu'ils vont gagner des points? Ils vont être envoyés. Smited, alors je sais pas tout à fait si c'est envoyé en enfer, mais non, envoyé dans les abysses, pardon. Et on a aussi, alors je sais pas combien on en a, on va dire, mais il y a aussi un dernier type de carte qui permet de piocher aléatoirement deux cartes et de les mettre justement dans la pile d'influence. Donc voilà, c'est histoire d'être encore plus dans l'aléatoire, d'être encore plus imprévisible. Donc ça, c'est les cartes qu'on a en main, qui nous permettent donc d'influencer et aussi qui nous permettent d'utiliser donc les God Power, qui requièrent de jeter un certain nombre de ces cartes. Et comme on en a un nombre limité pour influencer derrière, faut faire gaffe à ce qu'on utilise et à ce qu'on n'utilise pas. Un très joli, alors il est en plastique, mais très joli token de premier joueur, donc qui se passera régulièrement, qui passera de main en main. Mais voilà, c'est pour dire je suis le premier joueur et vous ne me faites pas chier. On va passer aux quêtes. Bon, les quêtes, ça semble héroïque et tout comme ça, c'est juste des cartes où on pose les héros et ensuite on influence, comme je le disais, le résultat, soit de ce côté, soit de ce côté. Oh là là, la taille du truc. Si on compare, hein, bon, celles-là aussi elles ont une taille un peu particulière, mais même si on compare avec des cartes d'une taille classique, c'est même plus grand que des cartes de tarot, ça je crois. Je sais qu'ils avaient expliqué que c'était des cartes custom, d'une taille customisée. Bon, je sais plus parler français, d'accord, l'anglais c'est plus simple. Donc on place nos héros sur les petits ronds. Là, typiquement, on a une carte qui demande... Normalement, on peut placer n'importe lesquels, mais
Là, on a une carte qui demande que ce soit le jaune, alors j'ai déjà oublié son nom, mais Naka, qui soit forcément là, mais on a aussi les cartes qui demandent des gens d'un certain clan. Voilà, typiquement là, celui-là, il faut forcément que ce soit de ce clan-là, donc Panta, Agamar ou Clar. Et de l'autre côté, il faut forcément que ce soit soit Naka, soit Bélan, soit Isabelle. Donc voilà, il y a quelques prérequis, mais globalement, on peut placer un peu qui on veut. Et là, par exemple, on peut voir que le héros ici, quand on finira la quête, donc une quête est finie quand toutes les places sont prises, mais quand la quête sera finie, si le résultat est en faveur des plumes, le héros ici gagnera 2 points, ça c'est le fait de gagner, et ça c'est le fait de perdre des points. Le héros ici perdra 2 points, le héros ici, donc il sera forcément Naka, devra tirer la pièce du destin pour savoir si elle perd des points ou si elle est envoyée en elle dans les abysses. Et la personne ici devra tirer à nouveau la pièce du destin, mais c'est aussi pour savoir si elle perd des points ou si elle gagne un point. Et si c'est les scorpions, celui qui est ici, au lieu de gagner 2 points, il en perd 1. Naka, au lieu d'avoir à tirer la pièce, elle gagne 2 points. Et la personne ici, au lieu d'avoir à tirer la pièce, elle gagne 1 point. Donc voilà, à chaque fois qu'on place un héros, on place une carte pour influencer le résultat. Et quand tous les héros sont placés, on mélange les cartes, comme ça on ne sait pas exactement qui a quoi, et on révèle, et puis voilà, sachant que je ne sais plus quelles sont les règles en termes de si on doit mettre qu'une seule carte ou si on doit en mettre deux. Je crois qu'on doit mettre qu'une seule carte, mais qu'il y a des manières, notamment un des pouvoirs divins qui permettent de mettre plus. Bref. Donc voilà, ça c'était les quêtes qui sont disposés tout autour du plateau de jeu que vous n'avez toujours pas vu, mais ne vous inquiétez pas, ça arrive. Passons maintenant à deux types de cartes qui sont au centre du plateau et qui ont aussi une certaine influence sur ce qui peut se passer. D'abord, on a les cartes de ville. En gros, quand on commence donc une époque, un âge, une année, ce que vous voulez, on place une carte de ville et il y a un petit token qui est placé au début du truc et qui va suivre ce que les flèches indiquent. Et à chaque fois donc qu'un demi-dieu va en ville, le truc est déplacé et ça active un effet. Donc ça par exemple c'est un effet qui dit vous piochez une carte en plus, qui peut être pratique puisque comme je disais on a un nombre de cartes quand même assez limité. Donc quand on veut influencer et qu'on n'a pas les bonnes cartes, voilà, ça peut être une idée. Quand on arrive au bout, là c'est fini, il n'y a plus d'effet particulier. Et il y a aussi des petits effets. Là par exemple au-dessus on a les joueurs ne peuvent pas utiliser de pouvoir divin pendant cet âge là. Donc ça a quand même des petites influences qui sont là tout au long d'un âge. Et quand on passe à l'âge suivant, le jeu se passe sur 3 âges. Quand on passe à l'âge suivant, on change de carte de cité, mais également de carte d'âge, donc. Et je suis désolé, j'ai pas trouvé de meilleure traduction que âge, époque, voilà, bon bref. Et les cartes donc d'époque, j'en ai marre, elles, pour le coup, elles ont une influence sur la fin de l'époque, justement. Au début, quand elles sont tirées, on lit effectivement en quoi elles vont influencer, mais ça n'est ensuite résolu qu'à la fin de l'âge, donc par exemple. Et elles sont résolues par à nouveau une influence, un vote, mais un vote caché. Donc là par exemple, oh putain, oh la vache, il est violent celui-là. Donc par exemple, s'il y a une majorité de plumes, ça dit que on échange les demi-dieux qui sont à 1 point et à 3 points. Donc soudainement les demi-dieux qui avaient que 1 point, ils passent à 3 points, et ceux qui en avaient 3, ils passent à 1 point. Si c'est majorité scorpion, c'est la même chose mais avec 2 et 4. C'est pour ça que je trouve ça assez ouf. Et ils ont même prévu en cas d'égalité. Parce que par exemple pour d'autres trucs, quand il y a égalité, on lance la pièce du destin et c'est elle qui décide. Mais là, il y a un truc d'égalité et c'est s'il y a égalité, tous les demi-dieux qui ont 0 points gagnent 3 points. Donc c'est souvent des trucs assez balèzes. Et ensuite les dernières cartes que nous avons, c'est tout simplement les cartes des héros. Donc effectivement, qui sont distribuées au début de la partie, aléatoirement. Donc j'en reçois un, oh tiens, je suis cette personne, je ne dois le révéler à personne, et je dois la faire gagner.
Vous vous demandez peut-être pourquoi il y en a autant, parce qu'il n'y a que 2 demi-dieux, mais en fait il y a 18 cartes, tout simplement parce que à partir de 6 joueurs, ça devient un jeu en équipe, mais c'est pareil, tu sais pas avec qui tu es en équipe, mais en gros, il y a, il y a deux cartes comme ça par exemple qui sont mises à 6 joueurs, il y aurait 3 teams, donc par exemple, il y aurait, évidemment, on ne saurait pas quelle couleur il y a, hein, évidemment, mais il y aurait ces 3-là par exemple qui auraient été choisis aléatoirement. Et donc on mélange, et donc il y a des équipes de deux qui se forment. Apparemment c'est très fun. Donc voilà, également de très jolies cartes. Hop. On est bon pour tout ça. Donc je vais faire un premier rangement. juste des cartes pour sortir le plateau de jeu quand même. Parce que c'est bien mignon, je vous ai montré tout ça, mais il se passe où le jeu? Comment on fait? Comme ça. Rebonjour les amis, je vais pas tout de suite changer l'angle de la caméra, mais à un moment je le changerai pour mieux vous montrer quand même le rendu du plateau, mais on va déjà le découvrir ensemble. Et donc voilà la ville. Bon allez, ça manque de trucs, hein. Moi je leur ai dit peut-être planter des arbres quand même, tout. Blague à part, donc on pose la carte de l'époque ici, on pose la carte de la ville ici, on pose, et quand on va voter pour l'époque, on posera ici. Tout est bien indiqué. Et donc ça, ça irait au centre du jeu. Ah. Ça, effectivement, c'est tous les trucs qui vont s'imbriquer. Hein. Et si elles s'imbriquaient, j'espère qu'elles vont pas prendre feu. C'est comme ça que se termine ma chaîne YouTube, je vais passer sur cette blague-là. Nous avons donc, comme je vous le disais, les abysses. Et The Pools, la piscine. J'ai pas d'explication, mais bon, c'est quand on remonte des abysses, on passe par là avant de revenir dans la ville. Et ça viendrait se foutre là. Nous avons ensuite la côte. Voilà, et donc là on peut voir effectivement, alors bon ça se voit pas beaucoup hein, parce que c'est un peu imprimé dessus, mais on peut voir que là on va mettre des quêtes. Alors on met, le nombre de quêtes qu'on met dépend du nombre de joueurs hein, quand même, et que là on mettrait les cartes qu'on doit mettre pour influencer. Et comment je sais d'ailleurs que ça vient là, c'est parce que tout en bas, il y a les chiffres qui sont les points en fait, qui sont le compte des points. Et donc bah, ça c'est la base, et ça il y a marqué, et ça c'est 1, 2. Et donc nous sommes en forêt les amis. Un canyon. Hop, le désert, comme je le disais. Le volcan, bon, on n'est pas obligé d'y rester trop longtemps, hein. Et les montagnes. Ou les montagnes, donc. Et voilà le plateau de jeu, les amis. Voilà le beau plateau. Donc c'est ce moment où je pense que je vais changer un peu la vision de la caméra, on va arrêter de me voir moi parce qu'on s'en branle de moi, c'est un unboxing de velleté, donc on va voir le jeu. Allez. Voilà un peu plus à quoi ça ressemble. Et donc là par exemple, il faudrait que je pose. Dépendant du nombre de joueurs qu'on est, je poserai des cartes de quête aléatoirement, là où on veut, voilà. Par exemple, là. Voilà. Je poserai une carte d'âge. Une carte de ville avec le petit token dont je vous ai parlé qui est là et qui commence donc là. Donc voilà, donc un truc que je vous ai pas montré, c'est la pièce du destin. Ouh, qui est très jolie. Oh, j'adore quand ils font des trucs comme ça. Sur Moonrakers, ils avaient fait l'argent, c'était des petites pièces de métal qui avaient un peu ce fil là. Oh, elle est. Oh, je sais que c'est juste une pièce, hein, mais. Hop, ah, plume. Et donc évidemment, là, ce qu'on ferait, c'est on placerait au début du jeu, par exemple, on place tous les petits amis en ville. Voilà, on poserait tous les trackers en position 0. Et après, là, chaque joueur piocherait 5 fate cards, 5 cartes du destin. Et après, on pourrait y aller, quoi. Les seuls trucs réellement qu'on peut faire, c'est déplacer les personnages. Donc, par exemple, je peux faire aller
elle, par exemple, je vais la faire aller là, par exemple. Donc à moins qu'il y ait un ordre qui soit spécifié sur les cartes, je peux la mettre où je veux, à moins qu'il y ait un ordre, ou à moins qu'il y ait, par exemple, un petit sigle comme il y en a là, voilà. Voilà en gros à quoi ressemble la base, le début d'un jeu de Veiled Fate. Le seul truc que je vous ai pas montré, c'est les petits stands. Les petits stands pour les petits standees. Voilà. Je pense que c'est pour remplacer ou pour. Si on n'a pas envie d'utiliser, si on en a un qui est cassé. Mais basiquement, on prend ça. Et voilà, ça donne ça au lieu de ça. Voilà. Bah écoutez les amis, j'ai rien de plus à dire, je vous ai tout montré, je vais même pas revenir sur ma tête. Regardez, je suis là. Mais en tout cas, c'était une vidéo unboxing de Veiled Fate. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à checker du coup Ivy Games, littéralement la lettre V et Games. Checkez aussi Moonraker, si vous parlez bien anglais, ça aidera quand même. Et n'hésitez pas à checker leur YouTube, ils ont plein de vidéos explicatives sur comment fonctionne leur jeu, ils ont aussi des petites vidéos de comment on a fabriqué le jeu, ils ont des vidéos où ils jouent à leur jeu, où ils montrent comment ça, où ils montrent une partie entière de trucs de certains de leurs jeux, donc c'est super cool. Bref les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous reparlerai sans doute de jeux de société parce que je suis obsédé par ça, jusqu'à ce qu'un jour je ne sois plus obsédé et que je passe à une autre obsession, on ne sait pas comment ça se passe. Des bisous, à la prochaine, ciao!